この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Rally Sport Challenge sur Xbox. Une fois n'est pas coutume, comme j'ai l'habitude de dire quand on commence une nouvelle console. L'occasion pour rapidement parler de celle-ci. Donc la première console de Microsoft, basée sur le DirectX, en fait, DirectX Box, voilà. Donc il avait comme caractéristique d'avoir à peu près 700 MHz en termes de vitesse CPU. Bon, c'est à peu près la puissance d'un PC d'époque, mais comme à cette période les fréquences augmentaient assez vite, c'est-à-dire entre 99 et 2002, ça allait hyper vite. On passait concrètement en 99 à peu près 500 MHz jusqu'à 2 Go en 2002. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et du coup, le parti pris de Microsoft de finalement se lancer dans l'aventure de la console tout public. Et aujourd'hui, nous allons jouer donc à Rally Sport Challenge. Donc c'est parti. Alors je vais peut-être baisser légèrement le son, vous allez voir ça, couper un petit peu. Donc c'est la première fois qu'on va faire un jeu Xbox, donc il y aura peut-être quelques légers bugs, vous en doutez, tout n'est pas parfait. C'est surtout pour ça que je n'ai pas fait de jeu Xbox avant. C'est par certains, avec certains problèmes, à cause de certains problèmes. Alors on va faire un départ immédiat, démo de jeu, démarrer la partie. On va faire démarrer la partie. J'ai créé un profil, hein, concrètement, même s'il manque une lettre. On a donc un mode carrière, un mode course unique, un mode contrôle à montre, un mode multijoueur et un mode option. On va aller voir les options. Alors j'ai un peu du mal avec les touches inversées. Voilà, les commandes de jeu avec la fameuse manette Xbox qui était gigantesque à l'époque par rapport aux autres. Alors il y a pas mal de choses qui ressemblaient au pad de la Dreamcast d'une certaine manière, hein, faut le dire vite, mais quand même. Et bon, après cette manette, elle va être vraiment améliorée avec la 360 et la deuxième manette qui est sortie pour la Xbox 1. Alors, les options d'affichage, donc on peut configurer la caméra, donc on peut voir qu'on a pas mal de caméras disponibles. Je vais baisser le son de mon côté par contre parce que le jeu est un petit peu trop fort. Voilà. Donc on a une vue par choc, on peut choisir d'activer une vue capot, une vue toit, une vue toit 2, une vue suivi 1, une vue suivi 3, une caméra poursuite. Poursuite 3 et la configuration par défaut. C'est déjà pas mal, on a pas mal de vues disponibles. On va faire le HUD. Donc on peut choisir d'avoir des compteurs analogiques ou numériques. On va laisser analogique. Aide au pilotage, oui et non. Alors en fait c'est ça, voilà, c'est notre copilote, la carte ou non. Notre copilote c'est qu'en gros on va avoir les prochains virages qui vont s'afficher avec la voix derrière. Carte c'est la carte entière et non on a rien du tout. Pour le moment on va mettre carte.
On peut choisir le compteur de vitesse, on va mettre km/h pour remettre les configurations par défaut. Voilà pour les menus options en termes d'affichage, on a les options musicales, donc on a pas mal de groupes, alors je sais pas si faire du copyright, franchement je n'ai aucune idée. On a l'option audio, avec la musique, le moteur, la voix, l'environnement. On voit la musique en moyen, parce que c'est pas mal. On a voir les records, donc on peut voir les records sur chaque spécial. D'ailleurs on peut voir que j'ai roulé sur une des spéciales. Je trouve ce jeu un petit peu... Comment dire, vous allez voir, bon, ceux qui connaissent pas le jeu vont découvrir en même temps que moi aussi. Enfin, moi je l'ai vu un tout petit peu pour tester, mais j'ai pas vraiment vu grand chose du jeu. Mais c'est quand même, ça ressemble beaucoup à un Sega Rally d'une certaine manière, parce que en termes de circuit, en termes de présentation, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes. On a donc les langues, on peut changer la langue, et les crédits, donc on va laisser en français, et les commandes du jeu, bon ça on connaît. On a un mode multijoueur, et oui, puisque la Xbox inauguré, non, c'est totalement faux, mais en gros il y avait le Xbox Live qui permettait de jouer sur internet avec tout le monde, avec un casque, etc. La PS2 à l'époque pouvait le faire aussi si on rajoutait un port Ethernet, mais peu de jeux proposés. Et la Dreamcast le proposait de base, mais avec son petit modem. Et malheureusement ça n'a pas spécialement bien marché non plus, en tout cas c'était trop en avance. Par contre sur la Xbox 1 ça a commencé vraiment à marcher et c'est une des premières consoles qui a rencontré un succès avec le mode online. On va donc commencer avec un petit contrôle à montre, voilà, histoire de découvrir un petit peu. On a un mode rallye, un mode course de côte, sur glace et rallycross. Donc 4 modes différents et vous allez voir s'il y a pléthore de voitures et de licences. Et c'est pas mal hein, parce que pour un premier G, alors il y avait Forza à l'autre côté hein, qui allait sortir aussi. Côté rallye, franchement, ils ont mis le paquet Microsoft hein, en termes de moyens. Alors c'est un jeu qui est édité par DICE. Personnellement, DICE, je les connais surtout pour la série des Battlefield, qui est sortie à ce moment-là aussi. À peu près dans ces eaux-là. Et j'étais étonné de savoir qu'ils avaient fait ce jeu, en fait. Même si j'avais déjà vu le jeu à l'époque, mais j'ai totalement oublié que c'était eux qui l'avaient produit. Enfin, en tout cas, qui l'avaient développé. Alors, on va commencer par un petit peu de rallycross. On va faire un revêtement mixte. Et je me rends compte qu'en fait j'ai rien débloqué pour Rallycross, donc on va pas pouvoir le faire. Bon, ce sont les circuits fictifs, hein. Voilà, c'est des circuits qui n'existent pas en vrai. Du coup on va tenter le mode sur glace. On a le Nord Isle Circuit, Speedway, Frost Ridge 2. On a le Laker Beaver, ou Bauer, je sais pas, Bauer, ouais. Bauer Short et court, mais ils sont pas débloqués, donc il va falloir débloquer évidemment au fur et à mesure du jeu les circuits. On va faire un petit circuit, on va faire le Nord Hill Speedway. Non, circuit carrément, on va faire le premier. Non, le deuxième, allez, c'est parti. Et voilà donc la liste des véhicules, que l'on a en tout cas dès le début. Je vous rappelle donc on est sur Xbox, à l'époque c'était la plus puissante des consoles sorties. Elle est beaucoup plus puissante que la PS2, beaucoup plus puissante que la Dreamcast, que la GameCube même. Donc les graphismes sont quand même pas mal, plutôt très très bien. Et souvent on voyait la différence entre les jeux sur Xbox et les jeux sur les autres consoles. C'était beaucoup plus net, c'était beaucoup plus propre, les textures étaient quasiment parfaites. Voilà, bon, il y avait plus de puissance, c'était logique. Donc là on a une Volkswagen Beetle, on a une Toyota Corolla, que l'on a ici, voilà. On a une Peugeot 306, qui est franchement, enfin, je le redis, très très bien faite. Hein. Vraiment, regardez-moi ça. À l'époque, il y avait beaucoup de concurrence au jeu de rallye. Là, celle-là, elle est quand même très très très, très forte. On a une Mitsubishi Lancer Evo 6, on a une Subaru Impreza WRX, alors j'essaie d'avancer un petit peu pour pas perdre trop de temps, on est déjà à 8 minutes. On a une Ford Focus Cosworth, très bien faite aussi. On a une Peugeot 206, alors c'est une autre variante j'ai l'impression. On peut voir les caractéristiques de la voiture en bas, voilà, au niveau de la vitesse, de la souplesse, de l'accélération. Et on a des modèles qui sont pas encore débloqués, mais ce qui est bien c'est qu'on sait déjà ce qu'on va débloquer, notamment une Saab 9-3. On aura une Opel Astra, une Ford Focus de Rallycross, une Citroën Xara Rallycar, une Lancer Evo 5, une Subaru Impreza pour la course de côte, une Delta Intégrale en Laura, ça c'est pas mal. On aura même une Nissan Skyline, choix original hein, quand on parle de jeu de rallye quand même. Une Métro, alors là on passe dans les groupes B. Et dans les groupes B, regardez, on a quand même les modèles existants, c'est la bonne... On voit pas la voiture, mais je vois déjà que c'est la bonne livrée. La Peugeot 205, la Quattro, la Lancia Delta, on a la 405, on aura même l'Audi Quattro S1, on a le Grand Vitara, le fameux Scudo Pace Peak, qu'on avait dans Gran Turismo 2 et dans Gran Turismo 3 et 4, et le Toyota Tacoma Highline. Donc en vrai, franchement, on a quand même
un bon panel de voitures et ça fait plaisir. Alors écoutez, je vais prendre une voiture un peu. On va prendre l'Escort, allez, pour commencer. On va la sélectionner et on va donc démarrer. Donc on fait un départ, on a un nombre de tours, donc je vais prendre 3 tours, c'est juste pour montrer un peu le tracé. On peut choisir de mettre la transmission auto-manuelle. Les pneus, glace, neige, terre, intermédiaire, asphalte. Alors évidemment on est sur de la neige, donc on va mettre glace, enfin, en tout cas neige très givrée on va dire. Et on peut mettre un fantôme. Donc on va faire départ, c'est parti. Et déjà, première chose, on va accélérer avec les touches, avec les gâchettes. Ce n'est pas avec la... Enfin, j'appelle la croix sur PlayStation, mais vous m'aurez compris. Et là, vous allez voir, il y a quelques petits bugs graphiques quand on est en vue, etc. Mais pas tous les circuits. Du coup, je vais vous montrer un petit peu la voiture de l'extérieur, vous allez voir. Mais en fait, si je change la vue, voilà. On a... Voilà, tant qu'on est en vue un petit peu intérieure, on n'a pas de bug. Et là, on voit qu'on est sur de la glace. Et quand on tourne, ça glisse pas mal. Alors c'est un petit bug, c'est le seul bug que j'ai rencontré entre la vidéo, donc voilà, je vous le dis à l'avance. Et surtout, ce qui était vraiment pas mal, c'est qu'il y avait la gestion des shaders sur la Xbox, qui était très très bien fait, les pixels shaders en version 1 et 1.04 je crois. J'en ai déjà fait un tour. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, ça permet de générer des polygones à partir du bump mapping en fait. Je sais les shaders, mais c'est du bump mapping. Et ça donne l'impression d'avoir un effet 3D sur une texture sans avoir besoin de rajouter des polygones à la main. Et typiquement c'est le cas qu'on a en bas sur le sol. Vous pouvez voir qu'en fait la piste, la neige, la glace, elle donne l'impression de ressortir en 3 dimensions. Et en fait elle l'est potentiellement, mais elle l'est qu'à courte distance. J'essaie d'aller un peu vite, histoire de vous montrer. Alors évidemment, on peut casser les voitures. Il y a la gestion des dégâts dans ce jeu. On peut démolir un véhicule. Je vais te faire un peu mieux. Oula, on va taper. Je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Donc on a la vue capot. Par contre, on n'a pas de vue. On n'a pas dû embarquer. On n'a pas de vue cockpit. Bon, ils n'ont pas rajouté. Bon, c'est pas encore trop grave à cette époque, surtout pour un premier jeu, surtout qu'il y a beaucoup de modèles. J'accepte moins quand à l'époque il y avait 2-3 voitures, se dire bon bah là ils avaient quand même le temps de faire des cockpits. Mais il y a tellement de véhicules que je me dis bon, ça va. Et voilà, t'es sur du ciel, elle est pas passée. On a les nuages qui se déplacent en quasi volumétrique, c'est quand même énorme. On va faire continuer. On peut voir la course sans regarder le fantôme, quitter, réessayer. On va faire quitter. Voilà. Et on va du coup sortir, on va mettre un mode course de côte. Alors bah, je crois que je ne l'ai pas débloqué, voilà, donc tant pis. On découvrira ça peut-être après, je ne sais pas si on pourra le débloquer, c'est dommage. On a un mode rallye, alors dans le safari par exemple, on a le Pacifique, on a quoi d'autre? On a la Méditerranée, c'est plusieurs, voilà. Ça c'est, en fait c'est simple, hein, c'est du tarmac. L'autre c'est de la piste un peu grasse, et là c'est de la piste sèche, terreuse. Je vous propose par exemple de faire la... deuxième spécial de la de Méditerranéenne pour voir ce que ça donne. On va sélectionner et on va changer de véhicule. J'ai quand même tenté la Volkswagen Beetle puisque c'est assez étonnant comme choix. Et là on se retrouve voilà, sur une piste classique avec des pneus en mode asphalte et donc c'est parti. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bases de texture. Ah si, malheureusement on va les avoir. Je vais changer de vue, on va mettre en vue capot. Et je vous laisse un petit peu profiter du jeu et du son. Allez, là j'ai tapé. Et vous pouvez voir que j'ai cassé la vitre. Enfin, je vous remets en vue normale. Donc on a un copilote qui nous indique voilà, les virages. Là j'ai pas encore les croix, les flèches hein, qui m'indiquent les virages. J'ai la map au plein milieu comme j'ai choisi tout à l'heure. Alors vous remarquez le compteur assez spécial quand même dans le jeu.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez à la fois la barre des kilomètres qui est mélangée avec la barre des contours et la barre du turbo. C'est assez particulier. Du coup, on a trois flèches. Enfin, d'accélérateur plutôt. Et du coup, on a trois flèches incluses en une seule quasiment. C'est un drôle d'affiche. On peut voir le progrès en haut à gauche. C'est-à-dire qu'en gros, quand je fais des portions en vert, c'est-à-dire que je suis en amélioration. Si les portions sont en rouge, c'est-à-dire que je suis en retard. Et évidemment, le temps total à la fin. Alors c'est un jeu qui se veut arcade, hein. C'est pas du tout de la simulation. On se rapproche vraiment d'un V-Rally 2. Je crois que j'ai encore fait la même tout à l'heure. Faut que c'est le même virage, en fait non, on n'est pas au même endroit. C'est très arcade en maniement, voilà, c'est très directif. Vous allez voir, on n'est pas du tout dans la simu, on n'est pas en train d'essayer de taper un coin de malgré à côté. C'est assez simpliste. C'est dommage d'avoir ce petit bug de texture, malheureusement. Mais bon, c'est pas gênant, c'est jouable. Hein. Le jeu reste jouable grâce à ça. Et donc, j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé du coup. Et on a fait un chrono qui n'est pas forcément un très bon chrono. Enfin, en tout cas, j'en sais rien parce que je ne peux pas comparer. Puisque c'est la première fois que je roule sur ce circuit. On va faire retour. Plutôt retour. Et donc, on a un mode carrière, course unique, multijoueur. On va faire un mode de course unique, histoire de vous montrer un petit peu. Et course unique, est-ce qu'on a un mode course unique en mode rallycross? Non, on peut toujours pas faire le rallycross, ok. Et course de côte, c'est pareil, donc on va faire une course par exemple avec le circuit du Pacifique en choix numéro 2. Et je vous propose de tester par exemple la... pourquoi pas la 306, hein, on va voir ce que ça donne. Donc toujours les réglages par défaut qui sont plutôt bien faits, mais si je vais dans réglages... Je peux avoir d'autres réglages un peu plus précis, notamment voilà, vous voyez la suspension, les rapports de vitesse, l'équilibre de frein et la direction serrée. Donc en gros, si elle est lâche, on tourne beaucoup plus vite, si elle est serrée, on a beaucoup plus de démultiplication. Donc en gros, on est beaucoup plus précis dans la façon de tourner, mais on tourne moins vite. On va faire c'est par défaut, ça m'a l'air pas mal. Et on va faire des pas. Donc là, on a 4 voitures contre nous. Et j'en profite, sur ce circuit, il n'y a pas de bug, hein, voilà, donc on va avoir un tracé sans souci. On va pouvoir faire la course contre eux. Alors ça, c'est assez paradoxal. Aïe. C'est de se dire qu'on est dans une course, en fait, hein, contre d'autres véhicules. Mais on a quand même le copilote qui nous indique où aller. C'est assez bizarre. Si on en souvient par exemple du mode de Colin McRae Rally 2, on avait les modes arcade avec d'autres voitures et à ce moment-là ils avaient tout remplacé par de la musique. Par contre, j'ai l'impression que le son est un peu fort, je vais peut-être un tout petit peu baisser. Voilà, un petit que 7. On va faire continuer. Alors, le jeu est assez permissif dans le sens où je peux aller un peu partout sur la map, enfin je peux sortir un petit peu des chantiers battus. Même si ça sert évidemment à rien, hein, puisque à part la course, c'est pas trop montagé. Mais je peux quand même, des fois, couper légèrement les virages. Donc là, on est premier sur 4. On peut voir que j'ai juste un petit plan dans le premier secteur, dans le deuxième, ça a l'air d'aller mieux. Alors, la 306, comme dans beaucoup de jeux, et c'est aussi le cas ici, a tendance à être très stable. Par contre, quand il s'agit de tourner ou de glisser, elle glisse très très peu. J'ai aussi une vue arrière. Et j'ai aussi un moyen de me remettre sur la piste si je me loupe par exemple, avec la gâchette. Voilà, par contre, je suis en train de les dominer totalement. On est en mode normal, nouvelle difficulté. Alors il y a le mode facile, le mode difficile. Vous voyez quand même, je vais attirer votre attention, on va parler un petit peu des graphismes. Ah, le jeu est quand même vraiment magnifique. C'est très très joli. Je pourrais le comparer dans un autre style à MotoGP. On avait testé sur PC. Franchement, j'ai l'impression que le moteur graphique est un petit peu le même. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu est super propre. Et on va arriver. Ouais, finalement, on n'aura pas trop galéré. Et voilà. On a terminé la course. Donc ce qui est bien sur le tracé, c'est qu'on n'a pas de bug. Par contre, vous avez eu dit not finish, not finish, c'est faux, hein, ils ont fini.
C'est juste que le temps n'a pas été comptabilisé, c'est un peu bizarre d'ailleurs, je trouve. On va faire maintenant revoir la course, donc on va en profiter. On a un petit mode voilà, qui nous permet d'avancer un peu plus vite, de faire pause directement. D'ailleurs, on va en profiter, vous voyez, on va faire play. Voilà, vous voyez quand même, la voiture est très très bien réalisée. On a une Nissan par exemple devant. D'ailleurs, je crois pas qu'on puisse débloquer la Nissan, enfin, je l'ai pas vu cette voiture. On a quand même regardé les deux copilotes à l'intérieur, le pilote et le copilote. Ce qui fait qu'au terme de détail, on est vraiment, vraiment bon. Hein. Quand je dis que le niveau graphique, ils sont très très forts sur ce jeu, bah, c'est vraiment, vraiment bien fait. En tout cas, à l'époque, c'était un jeu qui était magnifique. On va sortir. On va faire quitter. Puisque, oui, puisque de toute façon, j'ai réussi. Alors, j'ai gagné, je ne débloque rien, puisque pour débloquer, il faut que je sorte en mode carrière. Et nous allons d'ailleurs commencer un mode carrière. Donc, on a plusieurs épreuves. Donc, on peut voir qu'il y a 4 niveaux de difficulté, pro, expert, classique et toute catégorie. Donc là par exemple on est en mode pro. Et évidemment plus on va avancer plus ça va être compliqué. On peut voir après qu'il y a des niveaux qui sont très difficiles. Écoutez, je vous propose, on va commencer par je sais pas, par exemple on a quoi, Rally Cup, Pro Rally Cup. On peut voir les spéciales qu'on va avoir. On va avoir le Pacific 1, 2, 3, Safari 2, 3. Là, on va avoir Safari 1, 2, 3, 4. Là, on va avoir ALC, Froster 1, ALS. Bon, je sais pas ce qu'on pourrait faire. On pourrait peut-être, par exemple, un truc pas trop long. Lui, il a l'air un petit peu long, en fait. C'est un petit peu dommage. Écoutez, on va faire le premier. Voilà, et je vais changer de voiture. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'ai pas la SAP pour le moment. J'ai une Subaru, j'ai une Mitsubishi. Vous savez bien mon choix, mais pour... Faut pas m'en donner l'impression que je suis sponsorisé par Mitsubishi, je vais prendre une Toyota Corolla. Donc c'est parti, donc c'est un départ. Et là on a qu'une super spéciale, enfin spéciale à faire. Vous voyez comment ça fait quand on est en vue intérieure, c'est beaucoup plus joli. Mais là ça passe encore quand on est en extérieur au niveau du bug. Enfin quoi que non, c'est un petit peu particulier. Du coup on va garder la vue capot. Ah, il me donne des bonnes informations, par exemple il ne peut pas couper, parce qu'il y a un arbre à l'intérieur, du coup bah voilà, fais attention. Alors il y a beaucoup d'objets du décor qui sont destructifs, en tout cas qui bougent, par exemple si j'avais pris les panneaux ou les pancartes, bah, j'aurais déplacé les pancartes avec la voiture. Je tape un petit peu. Je vais voir que j'ai cassé un phare par exemple. C'est un jeu qui a une fluidité aussi très très bonne. En fait je pense que je préfère avoir l'affichage des... Avoir l'affichage des flèches parce que quand on a juste le circuit devant, en plus regardez c'est masqué par le soleil, du coup c'est compliqué. C'est quand même plus difficile. J'ai coupé complètement, non? Ça. Voilà, c'est pas là. Oui, ça glisse bien, c'est très fluide, c'est vraiment assez fun quand même au niveau des pilotages. Ah, par contre, j'ai pas l'impression que les voitures se salissent. Là, j'ai cassé tous les éléments là. Casserole GTX, tout pété. Voilà, une clôture. Oh, yeah, yeah. Bon, là, je l'ai prise la clôture. Et voilà, j'ai le capot qui est un petit peu cassé. Ouais, c'est en avance, on a 18 secondes d'avance sur les autres, c'est énorme. Après, comme je l'explique, c'est vraiment le premier championnat, donc la difficulté est quand même assez réduite. Et là, j'ai un petit peu de mal à la relance. Et voilà, on a fini la spéciale. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est quand on met la vue arrière, on ne voit pas la voiture. Du coup, on peut pas trop voir l'état du véhicule. Et voilà, on a des points de course.
Donc classement premier, c'est notre 375 points. On a état de la voiture 6 points, 100, donc on a 30 points. Je pense qu'on aurait état de la voiture à 0, on a plus de points. On a le temps total, 86 points. La vitesse maxi, 31 points, ce qui fait un total de 522 points. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Et on peut voir, ah voilà, d'accord, ok, au niveau du classement ça se joue en points, ce qui fait qu'en fait j'aurais pu terminer deuxième potentiellement et peut-être marquer autant de points que les autres. Et du coup on va faire la course suivante. Bon, on a toujours ce petit bug. Allez, c'est parti. Alors c'est un circuit qui a l'air... Je sais pas si vous l'avez vu, c'est très très... Ça a l'air d'être très très rapide. Il peut y avoir beaucoup de virages. Hein. Ça empêche pas de casser la voiture. Alors c'est dans ce moment-là, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi les vidéos ne sont pas en 50, 60 fps, surtout que là ça serait l'occasion, puisque le jeu est très fluide. J'ai quand même juste précisé. C'est parce que comme je fais des vidéos qui sont longues, en moyenne on a une heure, hein, le poids, je vais aller où ? Le poids est super élevé. Donc si je suis à 50 fps en plus, je dois augmenter la qualité, donc j'augmente le bitrate et en plus le poids de la vidéo augmente. Et honnêtement, déjà que les vidéos sont en moyenne 4 Go, si on passe à 6-7, bah, le temps d'upload est vraiment très élevé. Mais un jour, peut-être que je ferai en sorte d'augmenter la framerate. J'avais déjà fait cette vidéo, par exemple, à 48 images par seconde. Vous avez quand même un petit effet fluide, même si c'est un peu un mix entre les deux. Je passe par là. Voilà. Ouah. Alors, elles ont tendance à glisser et quand on ressort d'un dérapage, elles sont vraiment très très lentes. Hein. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun grip, hein, aucune relance par la voiture. Voilà, je suis devant large. Aucun problème. Oula. Oui, ça va tellement vite des fois que pour. Oula. Que pour anticiper certains virages, c'est quand même pas évident. Alors, inévitablement, vous allez me demander, enfin, je pense, qu'est-ce que je pense par rapport à un Sega Rally 2 par exemple, ou un V-Rally 2, qui pour moi est la cible en tout cas à peu près de cette époque. D'un côté, il est vraiment pas mal, hein. Franchement, il tient le pavé entre les deux. Il a de bon côté, il a pris un petit peu le mix des deux. Après, il est loin d'être parfait. Mais franchement, il se défend bien. Pour moi, c'est déjà un jeu qui est intéressant. Après, je sais pas si en termes de contenu, il y a beaucoup de contenu, hein, mais en termes de durée de vie, bon, on a vu les championnats, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. C'est peut-être un petit peu juste. À voir si la difficulté augmente vraiment derrière pour que ce soit compliqué. Mais comme je vous dis, c'est un jeu qui se veut assez tout public, donc je pense pas que la difficulté augmente trop à la fin. Bon, après, ça vous le direz si vous avez eu le jeu. On va faire du coup Blast Special 3. Ça, on verra un petit peu ce qu'on débloque. Allez, tant pis. On va, même si ça bug un petit peu, on va garder cette vue-là. Oula. On va garder cette vue-là. Comme ça, on va voir un petit peu la voiture. Vous avez vu les travaux de suspension? Même si là, c'était pas spécialement bien fait. Roche serrée n'a pas coupé arbre à l'intérieur. Bah, j'ai coupé, j'ai pas pris l'arbre non plus, mais bon. Alors vous voyez, pour maîtriser le dérapage, c'est quand même pas évident. Sachant qu'il y a eu quand même un... Il y a quand même une deuxième variante, hein, de ce jeu, il y a eu le Rally Sport Challenge 2. Et on testera sûrement un de ces jours. Je veux dire, on est en train d'entendre une nouvelle ère de façon de parler, non, pas forcément, parce qu'on reste toujours dans des jeux des années 2000. Mais en termes de possibilités, voilà, au fur et à mesure, quand on va pouvoir faire des jeux Xbox, vous allez voir, ça va être sympa. Alors, je n'ai jamais eu d'Xbox, j'ai toujours détesté en fait Xbox, mais ça reste un bruit personnel, évidemment, ne prenez pas ça, pour quelque chose d'objectif, hein, je parle vraiment d'un point de vue personnel.
J'ai toujours testé Microsoft en fait pour les consoles, donc du coup j'ai jamais voulu avoir une console Xbox. J'ai toujours été plutôt Sony, ou même je préfère avoir Nintendo à la limite, ou une Sega largement, qu'une Xbox. Mais bon, la Xbox avait quand même de très bons jeux. Hein. Le catalogue Xbox 1, même s'il est assez réduit par rapport à la PS2, il reste quand même excellent. Et surtout, il est très varié. À part, non, par quelques RPG effectivement, qui manquent beaucoup sur Xbox. C'est une console d'ailleurs, la Xbox 1, qui s'est pas spécialement bien vendue. Hein. On parle du flop de la GameCube, mais la Xbox, elle est juste sauvée par les USA. Hein. Parce qu'au Japon, elle a fait un flop, mais énorme. Avec la Xbox One qui a fait encore pire, je crois. Et là, elle a réussi qu'aux États-Unis. En Europe, elle s'en est pas trop mal sortie. Comme la GameCube d'ailleurs. Mais par contre, au Japon, voilà, c'était vraiment. Elle a rien fait cette console. La Xbox n'a jamais marché au Japon et je pense qu'elle ne marchera jamais. Donc, on fait continuer. Au niveau du classement, bon, alors on a pas mal d'avance, hein, 1418. Quasiment le. Oui, plus du double des points hein, par rapport au deuxième. Alors, ce qui est un petit peu regrettable, c'est que 4 voitures, sachant que là on est en solo, ça aurait été marrant par exemple d'avoir peut-être 8 concurrents. Surtout qu'on les voit pas sur la piste, donc on pourrait limite faire des concurrents fictifs avec des temps bidons et voilà, nous mettre par exemple un tableau avec 10 voitures ou même 20 pour se placer sur le classement. Ça aurait pu être intéressant. Là on est avec 4 voitures. Que 4 voitures quand on est en même temps sur la piste, je comprends. Mais. Puis même, je sais pas. Ça, c'est par exemple un défaut que je pense du jeu. Avoir voulu mettre un mode arcade, un mode rallycross, etc. Bon, je sais qu'en rallycross, ils sont pas 50 voitures non plus. Mais. Mettre un peu plus de voitures, vu que la console peut largement le gérer, ça aurait pu être pas mal aussi. Par exemple, mettre en mettre 6, voire 8 ou 10, ça aurait été excellent. Alors, on est parti pour la quatrième spéciale. Alors la voiture est réparée à chaque fois. Il n'y a pas de casse, enfin en tout cas j'ai pas l'impression qu'il y ait de casse mécanique quand on se crash, hormis le véhicule au niveau des dommages visuels. J'ai pas l'impression qu'il y ait de dégâts mécaniques. Alors on fera peut-être. Je vais faire le test comme ça, oui bon on l'a fait en fait. En explosant la voiture, mais je n'ai rien vu. Hein. Ouais, quand même de bonnes sensations. Alors, la boîte de vitesse est toujours assez réduite, on est à 180, et regardez là, je bride totalement, le moteur va exploser. La ligne droite. Vous voyez les nuages en haut? C'est quand même pas mal fait, hein. C'est sur plusieurs couches, c'est super joli. Olé. On a mis droit à une cinématique. Alors je sais pas ce qu'il dit, j'entends Nahu. Je sais pas ce que c'est un Nahu. C'est qu'à chaque fois qu'on retombe sur les 4 roues, il y a un bruit d'explosion de vitre ou je sais pas quoi, il y a quelque chose qui explose à chaque fois qu'on retombe. Comme s'ils n'avaient pas prévu qu'on puisse faire des sauts aussi rapides. En vrai, j'ai une barre rouge et pourtant je suis quand même premier. J'ai réussi à revenir. Voilà, au gauche moyen pour l'arrivée. Alors on est deuxième, du coup j'ai fait n'importe quoi. Je suis passé deuxième sur la ligne hein, quasiment, vous avez vu. Pour une seconde en fait, concrètement. On a même failli parier. On a même failli terminer troisième. Du coup on a que 190 points. On va faire continuer. Et du coup, 1627 points, on est toujours en tête. Et on a rapporté l'épreuve, du coup on a 1500 total bonus classement. Ok.
Donc vous voyez par exemple on a 3127 points en haut sur le petit schéma. Et quand j'aurai atteint un nombre de points assez élevé, donc en fait le total de tout ça va me donner des points. Et si mon total de points est très bon, je vais pouvoir après débloquer le mode expert concrètement. Et ça c'est assez intelligent ce système de points, parce qu'en fait vous allez peut-être réussir à gagner les quatre championnats, même 5. Mais si vous les gagnez de justesse, ben vous n'allez peut-être pas avoir assez de points pour passer au mode expert, et ainsi de suite, l'expert mode classique, etc. Donc ça c'est pas mal finalement comme système de points. Je me demandais à quoi ça servait, alors on le découvre maintenant. Et du coup, ben c'est bien beau de finir premier, mais il faut finir premier, il faut avoir le moins d'erreurs, etc. pour avoir le plus de points au final. On a le Ice Racing Open, le Mediterranean Rally, on va faire le... Bon, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire le Mediterranean Rally. Classement score. Attendez, il est combien de... Ah non, mais il y a tout ça! Oh, il est long là celui-là, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9! Voilà. Écoutez, on va faire le Med SS1, SS2, SS3, SS4. Et on. Bon, on s'arrêtera là-dessus. Je vais prendre une. Ah, je vais prendre une Subaru. C'est la version 2001. Je déteste la version 2001 de la Subaru. Pour info, je trouve l'avant ignoble en fait. Il y en a qui aiment bien, hein, y a pas de souci. Mais alors moi, je le trouve dégueulasse. Je vais faire vraiment les versions après. Et donc, c'est parti pour une spéciale un petit peu en montagne. Oh là! Ça va, j'ai réussi à me remettre. Alors j'aurais pu utiliser la touche pour me remettre en ligne directement, je l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû le faire. On a eu. Oh là là! Ah ben là vous allez voir, la voiture elle est complètement démolie. Bon voilà, ben je pense que je peux garder la vue totalement proche du sol. Et j'ai 5 secondes de retard. Par contre ça glisse beaucoup plus, hein. Suivant les surfaces, le grip est pas le même, c'est plutôt bien produit d'ailleurs. Un petit effet de lumière aussi avec le soleil. Et ben on a remporté la première épreuve. Pour pas beaucoup, hein. Écoutez, pour 26 centièmes, je pensais qu'on avait gagné plus d'avance. Bon, du coup, on a 400 points. Total, par exemple, on a eu 1040, c'est pas très bien. Du coup, on a que 0 points. On va continuer et passer à la suite. Je me rends compte que la vue ras du sol, la vue capot, c'est exactement la même. C'est-à-dire qu'en gros, la vue ne monte pas un petit peu, elle est au même niveau. M'appliquer un petit peu sur le marquer des points. D'ailleurs, ce système de points me fait penser un petit peu au Kudos. Je crois que c'est dans Projet Gotham Racing. Un jour, on fera d'ailleurs. On fera, on montrera. Et aussi à MSR. Je pense que c'est dans MSR hein, qui est Kudos. Parce que MSR, en fait, il me semble que Projet Gotham Racing, c'est un peu la suite de MSR. Hein, avec le système de skill, de style, quand on gagne une course, quand on fait une course à la gagner. En ayant fait des jolies figures, etc., on marque plus de points. C'est un principe assez sympa. Attention,
Ah la sacrée pierre. Il est toujours à l'intérieur. Alors étonnamment, le son de la voix du mis à 100%, ainsi que le volume moteur. Mais je trouve que le son de la voix est quand même assez réduit hein, par rapport au son de la voiture. Oh là! Oh c'était joli! Oh regardez-moi ça, j'ai fait un tonneau! On a gagné, ça fait le drum. Je sais pas combien on finit, 1 seconde 20, ouais, je pense que je me suis retourné, c'était mort. Hein. Je terminais 3ème. En tout cas, c'était une belle figure. Et j'ai pas de points pour les dommages du coup, à cause de ça. On va faire la 3ème spéciale. Alors le son des voitures, je trouve correct. Mais vraiment sans plus quoi, je trouve pas très impressionnant. Alors il y a quelques effets sympas, hein, des effets sonores sympas, mais le son des bruits moteurs est vraiment... Ouais, ça va. Mais je sais pas, c'est pas là qu'il va avoir beaucoup de points je trouve. Par exemple, vous voyez, couper, c'est pas vraiment le bon plan. Une petite pub pour Aliart, au passage. Ah, pas mal, cette portion est plutôt sympa. Alors, chance d'avoir, on peut sortir de là, elle est tombée dans le lac. Enfin, en tout cas, faudrait essayer, mais je vais pas le faire là. Je sais pas si le jeu est si permissif que ça. En tout cas, sympa, hein. Et on se prend le Michelin à la fin. Donc là, on a réussi par exemple de 9 secondes. Hein. Donc, on a remis un vent. Et du coup, en temps total, on marque 66 points. Test maxi 12. Ah, la test maxi est prise en compte. J'ai oublié. Bon, du coup, au classement, on a pris une bonne avance. On va du coup faire la quatrième séance. On va te faire départ. Et là, il pleut. Et on est en soir. Faut déjà vite qu'il pleut, hein. C'est vraiment très fin. Alors, peut-être qu'il va y avoir différence de grip sur le tarmac, le fait qu'il pleut. Enfin, visuellement, j'ai pas trop de différence. Allez. Alors on peut désactiver le mode ralenti, hein, quoi. Enfin le mode caméra externe quand on se plante. Mais bon, je trouve que c'est plutôt marrant de l'avoir. Du coup on est quatrième. On a 4 secondes de retard. C'était magique, voilà. Si j'appuie sur là, sur le bouton, on met en ligne direct.
perdez pas trop de temps. Même si là je suis à 7 secondes de retard. Là par contre je galère. Hein. Je pense que j'ai pas pris les bons gommes, je sais pas. Ah non, c'est pas Talu qui est en train de dire. Dernier, dernier. Bon. Et de loin, 7 secondes. Du coup, on perd beaucoup de points. Regardez, 59 points à peine. Alors, du coup, on va quand même être champion. Mais c'était un peu plus serré, hein, 500 points d'écart. Et on a débloqué une nouvelle voiture. Regardez, on a débloqué une Sara. Une Sara. On va peut-être même pouvoir utiliser dans un autre rallye. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que j'ai dit une bonne partie de ce qu'il y avait à montrer. On a un petit jeu qu'on pourra pas faire, hein, malheureusement. Course unique, on l'a vu. D'accord, on va se remettre en course unique. Rallye sur glace, rallye cross, on peut pas le faire, hein, je pense. Non, on peut toujours pas. Hein, faut vraiment débloquer les modes. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait? Méditerranée, on l'a fait, et après on peut pas. Bon, bah écoutez, tant pis. En tout cas, c'est un très bon jeu, vous l'aurez compris. Qui a vieilli, certes, mais je le trouve quand même plutôt joli, même pour notre époque. Hein. Vraiment, il est pas mal. Ouais, donc on a débloqué celle-là. Ouais, donc en fait, on se demande si c'est pas dans l'ordre, hein, parce que j'ai pas débloqué la Sam Neutron ensuite, etc. Je sais pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !